Et les Boys 2002-2003, maintenant, ça a glissé au départ pour Tim Weyers-Müller. Il va devoir produire son effort, le pilote suisse, alors qu'il me semble que c'est Jules Lasseron-Michel ou Alex Imbert. Jules Lasseron-Michel peut-être qui a pris le meilleur départ. On va surveiller, il y a Dorian Thierry en deuxième position. Jules Lasseron-Michel 1, Dorian Thierry 2, Tim Weyers-Müller 3. Et la quatrième place, Alex Imbert, le pilote de Cernay donc, et qui va devoir résister à Noah Sibelciro. Notamment et Tom Simard, les deux pilotes qui ont tenté encore de revenir dans les derniers mètres de course, mais ça semble difficile maintenant. La victoire qui revient, Jules Lasseron-Michel devant, Dorian Thierry notamment, et Tim Weyers-Müller, et c'est bien Alex Imbert qui se qualifie. Allez, un nouveau quart de finale dans cette catégorie avec Cyril Jacob. Il est impressionnant, le pilote suisse Cyril Jacob qui a pris l'avantage là dans cette première ligne droite. Est-ce qu'on va retrouver peut-être Quentin Locatelli ici présent dans ce quart de finale, alors que c'est bien Cyril Jacob qui est en première position. La deuxième place avec sa plaque 08. Oula, on a tapé fort là. La plaque 08, et bien c'est Max Spencer et c'est Pierre Aguilera de Beno qui a tapé fort là dans cette réception de fin de deuxième ligne, alors que Cyril Jacob va aller s'imposer, se qualifier pour les demi-finales. Et derrière, on tente encore de revenir avec, bien sûr, Quentin Locatelli. Il y a un pilote de Vesoul, ben c'est Quentin. Et puis, on avait Max Pelzer pour la quatrième place. Impossible de vous dire qui est qualifié. Allez, un nouveau quart de finale avec Jules Coquard notamment. Dans les extérieurs, on a également Jean Leclerc, le Byzantin. Et attention, on est monté dans le premier virage pour Jean Leclerc. On a également Alain Dupont qui est présent. Et il est en troisième, quatrième position pour l'instant. Puisqu'à la deuxième place, on devrait retrouver Maxence Comte, le pilote de la Fouillouse, en deuxième position. Jules Coquard, 1. Le pilote de la Fouillouse, donc Maxence Comte, 2. La troisième place de Jean Leclerc, Besançon, et la quatrième place pour Alain Dupont. Alain Dupont, de Mondio, qui va aller chercher la galibou, très serré là sur la ligne. Très serré, mais il me semble qu'Alain Dupont a résisté. Allez, encore un quart de finale avec Arthur Janin qui a pris le meilleur départ, le pilote de Besançon en première position, et à la deuxième place c'est Marco Radaelli, le pilote italien bien sûr, champion d'Europe dans sa catégorie. Marco Radaelli qui a repris l'avantage. Arthur Janin en deuxième position, Mathis Bar 3, et la quatrième place, et bien elle est pour Strasbourg avec Thomas Rappel. Thomas Rappel, mais attention derrière, on tente encore de revenir. Il y a Lilian Dunon et il y a Clément Charrière notamment, et c'est bien le champion d'Europe Marco Radaelli qui va s'imposer devant Arthur Janin, Mathis Bar et Thomas Rappel.